Antoine, la dernière d'aujourd'hui. Regardez, j'ai bien amélioré mon temps. 46-1. Ça me place en 5ème place. C'est plutôt pas mal. King Queen 44. Je sais pas si c'est en référence à Hamilton, numéro 44, ou si c'est département. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors j'aurais peut-être pu améliorer 46-0, mais ça va être compliqué quand même. Et comme quoi, hein, le fait de jouer en manuel, c'est incroyable. C'est peut-être plus que 2 dixièmes en qualif hein, qu'on gagne. Hein. Ouais, peut-être que j'aurais fini par améliorer aussi en automatique, mais bon. Je pense quand même qu'il y a un bon gain. Putain, à chaque fois, ça me remet le CT à 3, là. Je vais mettre 1 pour le départ. Bon, par contre, ouais, 5ème, bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Ils sont encore devant, les mecs. Hein. C'est serré, hein, pourtant. Il y a même pas 2 dixièmes avec la première place. Même si, évidemment, ça reste un circuit en 45 secondes, donc... globalement, c'est un circuit rapide, on peut le dire. En tout cas, je trouve le combo assez sympathique. King Queen qui nous dit qu'il veut pas... Il essaie de jamais toucher et toujours faire play. Mais on verra ça, hein. Ah non, oh le con. Il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. C'est gênant. Alors là, ouais, c'est un peu gênant. Mais bon, allez, on est reparti. Heureusement que le derrière m'a poussé. J'ai perdu qu'une place dans l'affaire, tout va bien. Sixième au lieu de cinquième, c'est pas la mort pour l'instant. Attention. Oh là là, surtout quand ils font ça, les mecs. Bah ben voilà, quatrième. Ça a rien passé au départ. Oh là, derrière. En fait, cette voiture, faut vraiment la pousser dans les tours, sinon elle avance pas, quoi. Je pense que derrière il est en automatique, je pense, parce qu'il a pas eu beaucoup de temps dans le virage. Ça va, il m'a pas percuté. Putain, devant ça chauffe, hein. Ouh, 45-9. C'est ça, faut rétrograder, faut la relancer. Voilà, là c'est pas mal. Par contre là ça va se battre pour la tête et tout. Oh, ça glisse l'espagnol là. Il perd du temps. Ça va passer du coup. Allez là, c'est bon. Putain, l'autre il est passé devant le français, dis donc. Il s'est fait avoir comme un bleu. L'espagnol il a retardé son freinage au maximum, mais au final. Oh pff. Oh, c'est quoi ces décalages tardifs? Bon, les gars, je vais essayer de la gagner, ça va. Pas sûr parce que j'ai un espagnol fou derrière, à mon avis il va essayer de me passer à ce virage, à l'épingle.
Il va me faire chier, là. Je vais mettre la vue comme ça. Ça va. Il a pas fait le foufou. Par contre, devant, ça fait les foufous, là. Oh là 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 là. Oh, ça fait les affaires des types, ça. De type stories, dirais-je même. Oh, oh l'espagnol! Oh l'opportuniste! Oh, il nous a fait une Alonso là! Mais quel opportuniste incroyable! Il a dit qu'il resterait fair play King Queen, donc on va voir si c'est vrai. Putain, la vache, quand il pousse à Lyon. Par contre, moi j'ai pas dit que je resterais fair play, les gars, donc. M'excuserai. Oh là là, bien joué. Oh, comment c'est serré entre nous trois là. Oh, oh, il l'envoie aussi dans le mur. Il l'achève. Oh, c'est sale. Regardez, je suis tout seul en tête après avoir éliminé tous mes adversaires de façon indirecte. De façon plus ou moins directe, on va dire. Quel enfer. Ils vont me haïr, quoi. Bon, sur l'échelle de la saleté, c'était sale à quel point, là. Dites-moi en commentaire. J'avoue, c'était pas ouf. C'était pas très propre, on va dire. Et encore faut-il arriver jusqu'au bout, parce que l'autre y revient. Même si là, bon, quand même... Ah putain, comme il revient, sérieux. J'ai encore 8 dixièmes de matelas. Ouais, 9 maintenant. J'ai un petit matelas de 9 dixièmes. Par contre, il se fait un peu pousser par l'autre derrière, j'ai l'impression. Allez, on travaille les trajectoires. Bon, normalement, 8 dixièmes, à moins qu'il se jette tel un porc. C'est impossible de passer là. Par contre, il va rester un ou deux tours. Ça aurait été chaud pour moi, je pense. Allez, ça va gagner. Bon, d'une façon plus ou moins fair play, on va dire. Hein. Bon, après, vous jugerez vous-même. Hein. En même temps, dans ces courses, si t'es pas fair, si t'es fair play trop, voilà, tu gagnes pas quoi. On va pas se le cacher. L'Espagnol, du coup, a fini 6ème derrière Queen. Et la victoire, donc, pour cette dernière course. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'était bien sympa. Et on se retrouve demain. D'autres courses, une fois, sûrement sur le même circuit. J'ai vu qu'il y avait Brenzach aussi en catégorie C. C'est quoi les voitures d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe. Voilà. Je quitte avant de m'en prendre plein la gueule. Catégorie C, c'est quoi? La voiture. Ah bah, ça va encore se finir en sirocco, hein, tout ça. Hein. Voilà, détail de la course. Ah, il y a de la stratégie en plus. Intéressant. Ah, j'en ferai peut-être une ou deux, ouais, demain. Pas ce soir, mais ouais, demain. Pourquoi pas. 13 tours. Mesure des pneus x 6. Oh, ça va être rigolo. Bon, allez, je ferai ça demain au pire. Ciao.